Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'émission Émergence ouvre ses portes à un monument de la politique congolaise, un baobab, si j'ose dire. En effet, depuis plus de 50 ans, l'homme roule sa bosse dans le marigot plutôt tumultueux de la politique congolaise. Au point où aujourd'hui, il est ami de tous les courants politiques que compte ce pays. Sans exagérer, je peux dire que aucun leader d'opinion de ce pays ne peut déclarer être son ennemi. Et l'homme en question, c'est Martin Berry, Berry Martin, qu'on ne présente plus. Le voilà, il est l'invité de notre émission. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Quelle est votre vision à vous du dialogue? Car ce mot dialogue est interprété de façon diverse dans la société congolaise. Mais avant d'en arriver là, voici d'abord le sujet intro de Miafuna Bungu et on se retrouve tout de suite après. Institué par les articles 227, 228 et 229 de la Constitution, le Conseil national du dialogue est un organe consultatif de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation. Il se réunit à la demande du président de la République pour débattre et se prononcer sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Lorsque le président de la République est confronté à de grands problèmes politiques d'intérêt national, il peut saisir le Conseil national du dialogue et lui demander de se prononcer. Ainsi, le secrétaire permanent entouré des anciens présidents de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale préside la réunion préliminaire du Conseil national et propose la composition des instances du dialogue. Nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue par décret 2018-306 du 9 août 2018, Martin Berry, 79 ans, un vieux routier de la politique bien connu du microcosme politique congolais, tient depuis cette date les manettes de ce nouvel organe constitutionnel. Martin Berry, merci une fois de plus d'accepter notre invitation. Vous savez, quand on reçoit une sommité intarissable comme vous, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Alors j'ai dit au début que vous étiez ami de tous les courants politiques, vous êtes à égale distance de tout le monde. Vrai ou faux? Plutôt vrai. Plutôt vrai. Et puis, dans un pays très paternaliste, hein, c'est quand même le grand frère. Absolument. Ah, bon. Ça a beaucoup aidé aussi. Où en êtes-vous dans la mise en route de cette institution? Les locaux, le personnel, les moyens, où en êtes-vous? Mais la dernière inauguration, je crois, est un... exposé qui a dit on n'inaugure pas, on ne lance pas si on n'a ni locaux et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Sauf si on veut tourner en rond. Je crois que le dernier événement suffit largement pour dire que on a fait des efforts. Mmh. La communauté internationale a fait un grand effort. Mmh. Le gouvernement a fait ce qu'il a pu. C'est la conjugaison de tous ces facteurs qui a permis que... Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le CND est définitivement installé? Je ne pense pas. Le CND est installé depuis le jour où le Congo proclame sa dernière constitution. Ah. Tant que cette constitution vit, et puis le Conseil national du dialogue vit. Voilà, sa vie est liée à la Constitution, parce que c'est un organe constitutionnel. Bon, monsieur le ministre, d'aucuns disent que vous travaillez seul. Qui y a-t-il autour de vous? Ah non, chez nous, il y a quelque chose qui... Nous sommes très sympathiques, dites en passant. Et vraiment, souvent, nous parlons pour de rien. Travailler seul veut dire quoi? Si on n'est pas pour perdre du temps, gaspiller de l'argent, il est évident que lorsqu'on met en service une structure d'une telle envergure, qui doit s'installer non pas en un jour, mais pendant des années, vous comprenez bien que le personnel à mettre en œuvre correspond au volume des tâches
de chaque instant. On ne peut pas avoir 1000 ouvriers pour une maison. Il faut encore poser les premières bases de la fondation. Mais c'est évident que cette même maison, si elle a 10 étages, 20 étages, 2 ans après, on ne verra plus deux types qui tiennent des fils ou je ne sais pas quoi, mais on verra des centaines d'ouvriers en haut, en bas et partout. Je sais que c'est le bon sens, ça. Quelle est votre vision de la mission que le président vous a confiée? Est-ce qu'il vous a dit le travail qu'il y a à faire? S'il ne l'a pas dit de façon solennelle et s'il ne l'a pas sacralisé par des symboles, etc., j'ai quand même passé beaucoup de temps à discuter avec eux. Donc je sais de quoi il s'agit. Avec lui plutôt. Oui. Donc je sais de quoi il s'agit. Donc depuis 1957, c'est exprimé. Et vous verrez que depuis cette époque, jusqu'au mois de la constitution de 2015 à Paris, nous avons eu beaucoup de guerres liées aux élections. Nous avons eu beaucoup de disputes à tout genre. Mais chaque fois que cela a eu lieu, il y a toujours eu une réunion des dirigeants des partis concernés ou des gouvernements concernés. Et il n'y a jamais eu de longue marche chez nous. Jamais. Maintenant, ce qui est également très caractéristique, c'est le fait que c'était informel. Jusqu'au moment où arrive la Constitution, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le pouvoir de dire aux autres « venez », etc. Ce récit préliminaire, c'est pour aider nos compatriotes à comprendre que tout ceci n'est pas arrivé par l'inspiration, je ne sais quel dieu de la politique ou je ne sais pas quoi. C'est les pratiques sociales, les usages, C'est parce qu'on n'a jamais fouillé. Alors, comment définissez-vous la vision de votre mission? Elle consistera à faire quoi? Mais moi, je suis un haut fonctionnaire. Je n'appartiens à aucun parti. Mon rôle, c'est d'appliquer la loi. Rien que la loi. Ceux qui travaillent ou qui travailleront avec moi seront de la même optique. Vous pouvez être un cadre éminent du PCT. Si vous êtes patriote, ben, je vais vous voir. Voilà, le pays nous a fait telle tâche. Je crois que vous avez telle qualité qui font qu'à tel niveau, vous pouvez aider et servir. Si vous dites oui, alors dès ce jour, vous entrez en congé du PCT. Parce qu'on ne peut pas être à la fois et du PCT et dans la neutralité. Bon, c'est un exercice un peu compliqué. Il faut, pour que les choses soient équilibrées, il ne faudrait pas que le mal ait un camp définitif et le bien un camp définitif. Quand ceux qui sont censés être des diables font bien ce jour-là, dites « Ah, vraiment ça !» Vive la patrie. Voilà. Gouverner, c'est toujours une tâche complexe, difficile. Reprenez le film du dialogue national. Non, oui, de la conférence nationale. Reprenez ce film. Il est parlant. Moi, personnellement, j'ai cru à ma nomination parce que quand je revois ce film-là, je dis oui, il y a des moments où les Congolais sont capables de se réunir et de ne regarder que la patrie. Pourquoi pas cette fois-ci? Est-ce que la communauté internationale vous accompagne dans votre action? Oui, comment s'est-elle déjà manifestée? La communauté internationale accompagne tout le monde. Le gouvernement congolais est accompagné. Il y a des accords. Nous, on a ce manquement qui fait que chaque fois qu'on signe des accords de paix, de sécurité, etc., on crée des petits organes de circonstance, un peu clientélistes souvent, mais pas des agences aussi importantes que ceux qui viennent nous assister. Si bien que le PNUD et tous ces organismes-là travaillent plus au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur et ailleurs qu'avec des agences spécialisées. Pour une fois, voilà une agence. Une agence spécialisée. Spécialisée qui est là. Et ceci veut dire également, sans aucun esprit d'égoïsme, vouloir attirer les choses vers nous, mais non. Le domaine des affaires étrangères comprend la paix, la sécurité. Mais désormais, fais-y compte avec nous. Tout à fait. On doit nous dire quelle est notre part dans cette affaire-là. Et voilà, il y a au ministère de l'Intérieur des tâches qui sont des tâches
également, où nous, en tant qu'agence de la paix, etc., etc., nous avons notre rôle à jouer. Il faut qu'on nous dise. Alors, vous voyez, depuis un an, tout ceci flotte encore. Ce n'est pas encore recadré, non pas comme organe parallèle au ministère des Affaires étrangères, comme organe parallèle au ministère de l'Intérieur, non, comme organe d'exécution. Un peu d'histoire, monsieur le ministre. Notre pays a connu de nombreuses tentatives de rassemblement des Congolais. Conférence nationale de 1972, conférence nationale souveraine de 91, plusieurs conventions, plusieurs dialogues, Brazzaville, Ouesso, Evo, Sibiti, etc. En quoi l'expérience que vous allez mener est différente de toutes les autres? C'est la pratique qui le prouvera. Ah. Moi, je crois, et c'est le critérium valable, c'est la pratique, parce que, écoutez, j'ai participé à tout ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, imaginez que je sois une espèce de copiste invétéré. Je n'aurais qu'à aller prendre Ouesso, Donizy, je ne sais pas quoi, et puis... Ce sera autre chose. Non, ce sera autre chose. Alors, expliquez. Comme c'est autre chose, ça va prendre du temps. Par exemple, il n'y aura plus de conférence nationale de type insurrectionnel. Parce que la direction est insurrectionnelle. Ce n'était pas un consensus, c'est un rapport de force. Maintenant, nous n'aurons plus une seule assemblée générale. Parce que l'assemblée générale, c'est l'équivalent de la conférence nationale. L'assemblée générale du Conseil national du dialogue, c'est l'équivalent de la conférence nationale. Bon. Oui, l'assemblée générale est prévue dans les... Ah, mais voilà. Et comme ça va durer dans le temps, nous pouvons avoir, j'exagère, hein, c'est un style de raisonnement, on peut avoir une assemblée générale chaque année si nous le voulons. Si on a de la matière à traiter, nous on fait le rapport au président, le président valide, trouve que c'est bon, allez, assemblée générale. Allez, assemblée générale. Bon, tel que sont les Congolais, tel que nous sommes, hein, nous sommes capables d'un truc comme ça. Hein? C'est que derrière, il y a toujours un peu de ça. Alors, selon les textes qui vous régissent, Martin Méry, le dialogue est convoqué par le président de la République. Et qui c'est qui fixe ou établit l'ordre du jour? L'ordre du jour, alors, en fait, le principe de l'intervention du président de la République, moi, je crois que c'est un principe limite pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Sinon, les conséquences du fait que celui qui convoque n'apparaissent nulle part. On dit nulle part que le président peut arrêter le dialogue, hein, peut arrêter l'Assemblée générale, que le président de la République peut ou ne pas accepter les conclusions tirées par... Non. On a dit que ça. Donc ça, selon de mon point de vue, c'est fait pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Nous, en tant qu'experts, on vous rencontre, on discute, et ce sera notre métier. Voilà pourquoi d'ailleurs nous n'intervenons pas dans le fond, chaque parce que ce n'est pas nécessaire. Nous vous écoutons, nous tirons les conséquences, on voit de quoi ça ressort. Écoutez tous les sachants de ce pays. Ceux qui veulent se présenter à nous, comme ceux que nous invitons. Dans ce cas, pourquoi les gens se plaignent? Ils n'ont pas à se plaindre. Intégral, hein, comment ils appellent ça? Dialogue inclusif. Inclusif. Dialogue, mais le dialogue qui sera fatalement inclusif. Fatalement. Donc, quel est ce démocrate sérieux qui, après avoir causé avec son père et sa mère, va aller demander qu'on tienne Mais non. Justement, cette machine, elle sera à la disposition de tous. C'est la vie intellectuelle qui est suscitée. C'est une raison de faire rencontrer les gens. C'est une raison de faire parler les Congolais entre eux.